On est le 25 mars 2013 dans un petit village de Normandie. Myriam rend visite à son fiancé et lorsqu'elle passe le seuil de la porte, elle tombe sur le cadavre de ce dernier. Le lendemain, à seulement 40 km, José est assassiné à son tour à son domicile d'une balle dans la tête. Les deux hommes se connaissent pas, mais y aurait-il un lien entre ces deux affaires? Je vais vous raconter une histoire, une enquête policière réelle dans l'ordre chronologique des événements. Plus l'histoire va avancer, plus vous aurez d'éléments, donc de nouveaux indices et des nouveaux suspects. Votre mission, c'est donc d'essayer de répondre le plus tôt possible à ces trois questions. Premièrement, qui a commis le meurtre? Ensuite, quel est ou sont les mobiles? Et dernière question, est-ce que les deux affaires sont liées? Et si oui, comment?